Voilà, nous sommes bel et bien à la place mariale de la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville où nous allons assister dans quelques heures, donc demain 7 août 2022, la retransmission en direct de la messe à triple événement, l'ordination presbytérale de 19 prêtres, la clôture de l'année pastorale, mais surtout, surtout, le port du pallium de Monseigneur l'archevêque, un signe distinctif. Voilà donc nous assistons, comment est-ce que le décor est planté déjà, comment est-ce que les ouvriers sont à pied d'œuvre pour la bonne tenue de cette messe demain, une messe d'action de grâce, mais je l'ai dit, je le répète, à triple événement avec le port du pallium de son excellence, Monseigneur, bienvenue Manamika Bafouakouaou, archevêque métropolitain de Brazzaville. Nous allons donc donner la parole à quelques chrétiens, aux ouvriers qui sont à pied d'œuvre pour la réalisation, la tenue, la beauté, j'allais même dire, de cet événement. Et on revient tout de suite après. Pour moi, c'est une grande fierté de voir Monseigneur bienvenu, de porter ce pallium, parce que c'est pour ma première fois. Et ça fait une grande fierté au niveau de Brazzaville. Vraiment, je suis fier, je suis très content. Vraiment, pour demain, ça sera une grande fête, ça sera une belle joie pour nous. Déjà, je suis ici en tant que responsable des laïcs de Brazzaville. Je vois un peu la mise en place. Et pour ne pas rater, un peu pour rafistoler ce qui manque en fait. Donc je suis avec les collègues pour l'organisation par rapport à l'activité de demain. Et donc je vous invite à venir nombreux, à tous les chrétiens de Brazzaville, de venir nombreux, à rehausser leur présence. Ce qui n'était pas facile à faire, c'est ce qu'on a pu à faire. Il nous reste les chapiteaux et les chaises. Les activités de demain, c'est l'ordination des prêtres et puis le Monseigneur qui va porter son pallium. Parce que ça prouve que l'Église est en marche. Le pallium, oui, c'est la vêture que l'évêque porte au moment où il prend possession de son siège. Voilà, ceci dit, demain, 8h pile, heure de Brazzaville, retransmission en direct de la messe du port du pallium, de l'ordination et de la clôture de l'année pastorale. Alors les chrétiens de l'archidiocèse de Brazzaville, les chrétiens de la province ecclésiastique du centre sont invités à prendre part à cette messe d'action de grâce. Ceux qui nous suivent de loin, ceux qui ne pourront pas être ici, vont suivre cette retransmission en direct sur la télévision catholique en ligne, sur la radio Magnificat, sur la radio Maria, antenne de Brazzaville. Sur ce, on vous dit merci et on se retrouve demain à 8h pile pour cette retransmission en direct de la messe du port du pallium, sinon de la messe du triple événement.